Ja, die Europäische Kommission hat Verfahren eingeleitet gegen viele Staaten in der Europäischen Union, auch gegen Frankreich. Ich versuche herauszufinden, warum. Warum ist die Luft über Frankreich so dreckig? Aldo und Annaba bekommen Früchte zum Frühstück. Ihre Mama Florencia sorgt sich um ihre Gesundheit. Die Familie lebt in Saint-Denis, einem Vorort von Paris. Erschwingliche Mieten, die Schule um die Ecke. Was will man mehr? Auf dem Schulweg erklärt mir Florencia, warum sie Angst hat um Annaba und Aldo. Es sind die Olympischen Spiele 2024. Dafür werden Autobahnabfahrten vor die Schule geklotzt. Bald wird die Luft noch dreckiger. Die Familie will wegziehen. Ich bin fâchée. Pourquoi? Regardez, c'est incroyable. Parce qu'il y a un projet d'échangeur d'autoroute à côté de l'école de nos enfants. Et avec un échangeur d'autoroute, la pollution qui se va ramener, les bruits que ça va ramener, on trouve que c'est pas possible, c'est inacceptable. Nächste Station meiner Recherchereise, Lyon, weltweit bekannt für seine Verkehrsstaus. Die Autobahn in den sonnigen Süden schneidet mitten durchs Stadtzentrum. Viel zu viele Autos, ein Problem nicht nur von Paris, auch in Lyon protestieren viele Familien. Hier auf dieser Live-App sieht man es, sattrot. Dicke Luft über Lyon, jeden Morgen, jeden Abend. Der Lyoner Liedermacher Reno Pierre bringt seinen Sohn zur Schule. Die Klassenzimmer liegen direkt neben dem Croix-Rousse-Tunnel. Le problème actuellement, c'est qu'il y a 47.000 véhicules qui passent par jour sous le tunnel. Sans compter tous ceux qui passent sur les quais de Rhône et qui amènent une pollution assez énorme. Je pense que ce qui est une utopie, c'est d'imaginer qu'une ville de voitures pourrait exister encore dans 10 ou 15 ans. Je voudrais surtout que le politique s'empare de la question pour faire en sorte que la ville soit respirable. Zusammen mit Elternverbänden und Anwohnern organisiert Reno Proteste. Den Schuldirektor weiß eher auf seiner Seite. Wie könnte eine Lösung konkret aussehen? Réduire le trafic sur berge. Avec notamment la mise en place d'un tram qui réduirait la place de la voiture sur les voies à côté du Rhône, qui est source de 60% de la pollution que nous connaissons dans l'école. Die beiden zeigen mir die Messstation im Schulhof. Skandalös hohe Stickstoffdioxidwerte. Hier darf kein Kind mehr spielen. Zusammen mit anderen Eltern hat Renaud Klage eingereicht gegen Stadt und Staat und einen Protestsong komponiert. Dans la ville de Lyon, il y a beaucoup de pollution. Il y en aurait à ce qu'on dit, plus encore qu'à Paris. Mais la mairie de Lyon ne voit pas de solution. Il serait contre nature de réduire la voiture. Zurück nach Saint-Denis. Trabantenstädte, Autobahnen. Die Politiker haben wenig aus den Städtebausünden der Vergangenheit gelernt. Noch mehr Asphalt, noch mehr Autos, noch mehr Dreck. Elternsprecher Hamid hofft, die Baumaschinen stoppen zu können, schreibt Briefe an Minister und den Staatspräsidenten. Ein Gesetz muss her, fordert Hamid, um Schulen besser zu schützen. Ce boulevard sera connecté réellement directement à deux bretelles autoroutières. Deux bretelles autoroutières, à moins de 150 mètres de la façade de l'école. C'est des concentrations de pollution. Donc de polluants extrêmement dangereux pour la santé, dont des PM, des particules fines, et des dioxydes d'azote, qui sont très, très cancérigènes. On dépassera les seuils réglementés donc par l'Europe et les seuils de l'OMS. Eine Verlegung der Schule würde 20 Millionen Euro kosten, sagt Hamid. Nicht viel in Bezug auf die 7 Milliarden für Olympia. In der kleinen Straße zwischen Autobahn und Schule lebt Marc. Sein Urgroßvater war der erste Direktor der 1894 eröffneten Schule. Les politiques nous ont méprisés et ont méprisé les populations autochtones qui habitent ici. On peut pas laisser faire des choses pareilles. On est en France, JO ou pas JO, il faut pas lâcher parce que là ce qu'on pourrait faire, c'est éloigner ce trafic, fermer des bretelles ou déplacer l'école. Um Veränderungen der Schadstoffbelastung nachweisen zu können, haben sich die Nachbarn mit der Bitte um kleine Messstationen an den Verein Respire gewandt. Marke Eigenbau und trotzdem präzise. Warum müssen das die Anwohner selbst machen? On a demandé en fait aux institutions publiques d'installer des capteurs. Ils ont les moyens de le faire, mais ils l'ont pas fait.
Et quand on leur demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose à cacher pour ne pas installer de capteurs, ben, on se rend compte qu'il y a des choses à cacher. On est parti à la Cour européenne des droits de l'homme. On a lancé ce recours. C'est un recours qui fait 1800 pages, justement pour protéger ces enfants de ces institutions publiques qui ne font pas leur travail. Il y a quelque chose qui est grippé en France, qui ne marche pas. C'est pour ça qu'on est parti un peu plus haut pour faire respecter le droit de ces enfants à respirer un air sain. Im Großraum Paris sind 95% der Menschen überhöhten Stickstoffdioxidwerten ausgesetzt. Ein Skandal, meint Tony Renucci, Präsident des Umweltschutzvereins Respire. L'État français ne respecte pas la législation en vigueur, la législation européenne, sur les valeurs limites de concentration de polluants à ne pas dépasser. Pour réduire le trafic routier, ce qu'il faut, c'est mettre en place des zones à faible émission pour qu'il y ait des restrictions sur les véhicules les plus polluants. Il y a urgence d'agir parce qu'aujourd'hui, la pollution de l'air, c'est 7 millions de morts dans le monde, c'est 100 000 morts par an en France et c'est 3 enfants sur 4 qui respirent un air pollué dans le monde. In Lyon habe ich mich mit Thomas Coudon verabredet. Coudon arbeitet am renommierten Krebsforschungszentrum Lyon-Bérard. Zusammen mit einem jungen Forscherteam sucht er, die Zusammenhänge zwischen Luftverschmutzung und Krebs zu ergründen. Le Centre international de recherche sur le cancer a classifié l'exposition à la pollution de l'air comme cancérigène pour l'homme. Dans les catégories de polluants qui sont classées comme cancérogènes certains, il y a les particules fines et les gaz d'échappement des moteurs diesel. Marie, Cosimo, Juliette und Delphine betreiben Feldforschung. Dreckige Luft und Lungenkrebs, hier gibt es einen eindeutigen Zusammenhang. Doch löst die Lyoner Großstadtluft auch andere Krebsarten wie Brustkrebs aus? Diese Frage will Marie in ihrer Doktorarbeit beantworten. Nous réalisons une campagne de mesures afin d'évaluer la différence d'exposition qui existe entre les modes de déplacement quotidiens. Et donc nous réalisons des mesures avec des microcapteurs tous les jours, le matin et le soir, sur différents itinéraires dans la métropole de Lyon. Über mehrere Wochen tragen die Jungforscher aus Frankreich und Italien ihre mobilen Messgeräte durch Lyon, zu Fuß, mit dem Auto, dem Fahrrad und per Bus. Gemessen werden unter anderem Stickstoffdioxid und Feinstaubbelastung. Die Städte haben genug von schlechter Luft. Das spiegelt sich in den Wahlergebnissen. Immer mehr Großstädte werden nun grün regiert, so wie Stadt und Großraum Lyon. Doch von heute auf morgen lässt sich die dreckige Hinterlassenschaft nicht bereinigen. Les valeurs sont catastrophiques, l'air est pollué sur Lyon. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un manque d'action des pouvoirs publics, de l'État français qui a été condamné. Il faut faire les zones à faible émission pour sortir les véhicules les plus polluants du cœur de l'agglomération, avec notamment la fin du diesel au cœur de l'agglomération dès 2026. Bis 2026 werden über 70% der heute noch zugelassenen Fahrzeuge von der Lyoner Umweltzone ausgeschlossen. Für Kleinunternehmer wie Salim ein echtes Problem. Salim ist Klempner und fährt Diesel. Auf dem Weg zu einer Notfallreparatur hat er kurz Zeit für ein Interview am Steuer. Ben, je suis pas très d'accord avec leur zone de faible émission. Mon véhicule qui est déjà très propre et qui a que 2 ans, il va falloir remplacer par un véhicule électrique. Qui va payer la note ? Nous, en tant qu'artisans, on n'a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir racheter un nouveau véhicule à 40 000 ou 50 000 euros. On n'a pas les moyens. Sinon, ben, il faut qu'on mette la clé sous la porte, on arrête. Fahrradklempner wie Romain sehen das anders. Zusammen mit seinen Kollegen arbeitet beim Pariser Unternehmen Cyclo Plombier. Vor 8 Jahren wurde das Start-up gegründet. Seitdem wird das Geschäftsmodell überall in Frankreich kopiert. Mit Erfolg. Die Auftragsbücher sind voll. Entre les travaux et puis les bouchons qu'il y a de manière naturelle, ça devient vite l'enfer en camionnette. Alors que nous, en vélo, on remonte les fils tranquillement. On a les pistes cyclables qui sont géniales. On a des vrais boulevards rien que pour nous maintenant. Et ça nous permet d'être à l'heure, de se garer vraiment pile poil devant chez le client. Et du coup, on est plus efficace et plus rapide. Der Europäische Gerichtshof hat Frankreich 2019 wegen Luftverschmutzung verurteilt. Einige Städte richten deshalb nun Umweltzonen ein. Doch der Weg zu sauberer Stadtluft ist noch lang.